Chaque jour, nous sommes plus de 2,5 milliards de personnes à faire le même rituel. Chacun son style. À la maison, en cafetière filtre, dans un coffee shop ou au bureau, à chacun son moment café. Cette graine qui révèle ses arômes lors de la torréfaction a de nombreux secrets à nous dévoiler. Embarquons ensemble dans un voyage unique pour mieux se connecter avec ce que la nature a de plus beau à nous offrir. Depuis les tropiques jusqu'à la semeuse en Suisse, nous vous présenterons les étapes clés de la filière permettant d'obtenir un café d'exception. Notre voyage démarre dans un autre univers. Un endroit accueillant, verdoyant et sauvage. Mais rapprochons-nous un peu de cette terre où le café prend racine pour mieux comprendre son origine. À travers le monde, c'est en altitude entre les tropiques du Cancer et du Capricorne que la magie opère. Embarquons dans ce voyage merveilleux du café pour explorer la filière de la terre à la tasse. Afin de mieux comprendre les étapes clés qui permettent la consommation de café, il faut d'abord voyager jusque dans les forêts tropicales pour assister à l'instant où tout commence. Partons à la source du café. Êtes-vous prêt? Le parcours pour se rendre dans les plantations de café est souvent un périple. Les meilleurs terroirs sont situés haut en altitude et dans des zones riches en biodiversité. C'est pourquoi les plantations sont difficiles d'accès et les routes parfois impraticables. La recherche d'un terroir propice à la production de café de qualité est remplie d'aventures et de rencontres. Diego, comment ça? Bien, comment ça? Ay, don Eve, bien, gracias a Dios, diciendo que... Les producteurs de café vivent depuis plusieurs générations dans cet univers et sont heureux de pouvoir partager leurs expériences avec des acheteurs de café. Dans chaque plantation, les producteurs vont sélectionner des variétés spécifiques, parfois en lien avec des botanistes ou des agronomes, pour produire qualitativement du café et obtenir des saveurs uniques. Les cafés peuvent être produits naturellement, sans intrants chimiques, comme ici en Colombie, où aucun intrant n'est utilisé dans la parcelle de ce producteur. En encourageant un partenariat sur le long terme avec les petits producteurs de café, cela permet de contribuer à préserver l'environnement de là où le café est produit et d'obtenir en tasse une plus grande complexité aromatique, typique du terroir bien apprécié par les consommateurs. Pour produire du café, il faut tout d'abord une graine. Elle va ensuite être germée et devenir un petit caféier, haut d'une dizaine de centimètres avant d'être plantée. Pour produire du café, le producteur va être attentif à la plante et au sol durant toute sa croissance pour s'assurer qu'elle reste en bonne santé. Après 3 ans, il atteindra une taille supérieure à 1 mètre et donnera sa première floraison, qui dure environ une semaine et dégage une odeur enivrante. Les premières cerises de café commencent à apparaître, d'abord de couleur verte, puis de couleur rouge lorsqu'elles arrivent à maturité. Nous privilégions une récolte de cerises manuelle et sélective afin d'obtenir la meilleure qualité possible de grains en amont. Le process lavé consiste à laver les cerises après récolte, puis à les faire passer dans un circuit d'eau en plusieurs étapes afin de trier les cafés, retirer les défauts et classé par qualité. Une fois que la pulpe est bien séparée de la graine, souvent, les cafés sont laissés à reposer pendant plusieurs heures dans des bacs de fermentation. Le goût sera différent selon le temps de fermentation choisi. Les grains, encore dans leur parche, sont alors mis à sécher au sol, sur des patios ou sur des tables de séchage appelées lits africains. Les cafés sont remués régulièrement pour permettre un séchage homogène. Le process nature, quant à lui, consiste à faire sécher les cerises de café directement après la récolte. Le temps de séchage est plus long et il faut tourner les cerises de café plusieurs fois par jour
pour que le séchage soit le plus homogène possible. Enfin, il existe le process Honey, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Une fois que la cerise a atteint le taux d'humidité désiré, alors le séchage est terminé et les cafés partent à l'usinage. Ce sont près de 170 millions de sacs de 60 kg qui sont produits chaque année dans le monde et les premiers pays producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie. Après la récolte et le séchage de café, les cafés qui arrivent en parche ou en cerise sèche vont passer dans une série d'étapes importantes pour obtenir du café vert. La première étape consiste à trier les branches, les feuilles et les pierres. Ensuite, la coque, appelée parche, est retirée avec des machines spécialisées permettant de ne conserver que le grain vert. Ce café vert est trié par gravité pour séparer les grains les plus denses des grains les moins denses. Il existe également le triage avec capteur optique pour retirer les grains par colorimétrie. Puis enfin, le grain est trié à la main pour retirer les derniers défauts du café. Le résultat est homogène et le café est mis en sac dans des toiles de jute prêt à l'expédition. Le café est la première matière agricole la plus échangée en bourse dans le monde. Ses prix sont négociés sur la bourse de New York pour l'Arabica et celle de Londres pour le Robusta. Au début, tous les cafés étaient transportés à la voile. Mais depuis les débuts de la conteneurisation dans les années 50, les cafés sont transportés en bateau porte-conteneur. Avec le partenaire Belco, le transport à la voile des cafés est rendu possible à nouveau. Dans une démarche militante et consciente des enjeux actuels, nous souhaitons encourager ce mode de transport, qui est certes plus lent, plus coûteux, mais qui est moins impactant sur l'environnement. Avoir une compréhension globale de la filière du café est nécessaire dans notre quotidien, pour notre métier, celui de torréfacteur de café. Nous sommes un maillon de cette chaîne et sommes fiers de pouvoir réceptionner des cafés produits avec le plus grand soin, ici, à la semeuse. Bienvenue à la chaux de fond après ce long voyage. Dans notre dépôt sont entreposées toutes les origines de café que nous proposons à nos clients. À chaque arrivage, un échantillon de café est prélevé, permettant ainsi d'identifier si la qualité est conforme à notre exigence et à notre sélection. Nous contrôlons la qualité du grain vert par sa couleur, son taux d'humidité, sa densité et le nombre de défauts. Ensuite, nous torréfions des échantillons sur un torréfacteur dédié afin de réaliser le contrôle qualité du grain torréfié. Notre laboratoire est équipé de tout le matériel nécessaire afin de garantir un contrôle du grain vert au grain torréfié. Nous appelons dégustation à la brésilienne le protocole pour goûter les cafés afin de juger la complexité aromatique et le profil de torréfaction de chaque café. Cette dégustation entre professionnels permet de sélectionner parmi les meilleurs grains. C'est en cela que nous pouvons obtenir un résultat optimal en tasse et assurer aux consommateurs un voyage unique pour chaque origine que nous proposons. Entrons maintenant au cœur de notre métier, qui constitue une phase importante dans la filière du café, puisqu'il s'agit de procéder à la cuisson du grain. Nous parlons là de torréfaction. Nos torréfacteurs torréfient depuis toujours selon une méthode traditionnelle, le procédé de torréfaction lente. Cet art consiste à torréfier à cœur chaque lot d'origine selon des caractéristiques spécifiques et assurer une cuisson adaptée au profil du terroir. Ce procédé privilégie la qualité plutôt que la rentabilité. La torréfaction lente est donc la meilleure technique pour faire ressortir les valeurs intrinsèques de chaque café. Le refroidissement du café à la fin de la torréfaction s'effectue à l'air et non à l'eau. Après la cuisson, nous contrôlons la couleur du café pour assurer une régularité dans les saveurs de chaque origine.
Avec notre nouveau torréfacteur, nous pouvons augmenter notre précision et chercher le meilleur équilibre entre puissance, corps, amertume et acidité sur des cafés d'exception. Certains cafés se doivent d'être dégustés avec de légères notes d'acidité afin de mieux apprécier la complexité de leurs arômes. D'autres, au contraire, méritent une torréfaction plus foncée pour apprécier la gourmandise et la sucrosité. La dernière phase de production consiste à la mise en sachet. Nous utilisons des emballages imprimés dont le choix des matières permet de faciliter le recyclage. Durant le façonnage, nous apposons une valve de dégazage permettant ainsi de conserver les arômes et d'éviter l'oxydation du café. C'est ici, dans notre zone de production, que nous préparons tous les types de conditionnement. L'ensemble de notre matériel moderne facilite le travail de notre équipe, améliore le confort et surtout diminue les délais entre la production et la livraison jusqu'à nos clients. Nous garantissons un café fraîchement torréfié en altitude et une livraison dans les meilleurs délais. Il est possible de découvrir tous nos produits sur notre site internet. Mais avant toute dégustation à la maison, nous vous invitons à la dégustation dans notre coffee shop, où le café y est préparé minutieusement par la main du barista. Vous pourrez en découvrir plus sur l'histoire de chaque café et choisir votre méthode de préparation et votre origine, pour vous offrir un voyage unique et riche en saveurs. Il est possible de goûter le cappuccino préparé avec rigueur pour le plaisir des yeux. Le latte art est une technique permettant de mettre en valeur le café. Le café est une boisson d'échange et de partage. C'est un moment important dans une journée. C'est aussi toute une filière composée de femmes et d'hommes à qui nous souhaitons rendre hommage à travers ce film. Le café fait partie de notre vie. Il est dans notre quotidien et boire un bon café favorise la santé et la bonne énergie. Que vous l'aimiez crème, noire, au lait, en méthode douce, allongée, seule ou accompagnée, dans un coffee shop ou à la maison, il existe toujours un moment pour un bon café. Prenez conscience de son long parcours avant d'arriver dans votre tasse. La semeuse, depuis plus de 100 ans, s'engage dans une filière de café durable et respectueuse de l'environnement. Fidèle à son lieu de création, à la chaude fond, la torréfaction d'altitude permet aux grains de café de s'épanouir et de révéler leur goût unique. À chaque étape, depuis l'origine jusqu'à la tasse, chaque décision, chaque instant et chaque personne compte pour obtenir un excellent café. La semeuse, une histoire à chaque tasse.